Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Désolé pour le retard ce soir, mais on va lancer les discussions de cette controverse qui réunit ce soir deux experts à mes côtés. Donc, moi, je suis Mathieu Brun. J'ai le plaisir d'animer ce soir cette controverse, cette discussion autour des enjeux énergétiques, de la transition énergétique dans les pays arabes. Donc, je vais commencer par faire une petite introduction assez rapide parce que j'ai à ma droite et à ma gauche des experts du sujet, donc je ne voudrais pas prendre trop de temps de parole et dire trop de bêtises en plus, mais simplement rappeler quelles sont les grandes questions et les raisons pour lesquelles on a décidé d'organiser cette séance de discussion aujourd'hui à l'IREMO, puisque la question énergétique est une grande problématique, une problématique très importante pour les pays de la Méditerranée, et en particulier pour les pays arabes qui nous intéressent ce soir, à la fois parce que la sécurité des approvisionnements, mais aussi la croissance économique, la compétitivité économique et les performances environnementales sont ces grands enjeux qui traversent la région méditerranéenne. Aujourd'hui, dans les pays arabes de la Méditerranée, l'énergie se situe au cœur des problématiques et exerce une influence, notamment en raison des conditions d'accès à l'énergie, à des prix qui soient abordables pour la population. Et plus généralement, ça soulève la question de la rente liée à l'exploitation des hydrocarbures notamment, et surtout sa distribution, voire sa captation. On aura l'occasion d'en reparler. Alors cette région, les pays arabes de la Méditerranée, globalement les pays arabes, sont marqués par une inégalité historique très forte, une inégalité qui est liée avant tout à la nature et à leur géographie. En matière d'énergie et d'accès aux ressources naturelles, certains pays sont dotés en ressources énergétiques fossiles. On pense bien entendu à l'Algérie, à la Libye, mais aussi à l'Irak et bien entendu aux pays du Golfe qui sont un peu plus loin de la Méditerranée, qui concentrent les ressources en énergie, les ressources fossiles, alors que d'autres, au contraire, n'en ont pas ou très peu, et donc sont le plus souvent dans une situation de dépendance. En Méditerranée, les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, dominent globalement le mix énergétique des différents pays, à peu près à 80% de l'approvisionnement énergétique des pays. Alors, cette consommation d'énergie fossile, issue du charbon, du gaz ou du pétrole, sont, je ne vous l'apprends pas, émettrices de gaz à effet de serre, qui contribuent bien entendu au changement climatique, au dérèglement climatique. Et les pays arabes de la Méditerranée, on a l'occasion d'en discuter dans ces lieux assez souvent, sont déjà en train de subir les effets du changement climatique qui vont s'accentuer dans le futur. Cependant, les pays arabes de la Méditerranée, globalement, sont de très faibles émetteurs de gaz à effet de serre quand on les compare à leurs voisins du nord de la Méditerranée, la France, l'Italie, l'Espagne, ou même, bien entendu, aux voisins du Golfe, puisque aujourd'hui, c'est le Qatar qui émet par habitant le plus de gaz à effet de serre, aux alentours de 45 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant, alors que... c'est le record mondial. C'est le record mondial. Même Singapour qui fait mieux, je crois. Même les États-Unis qui sont pourtant connus pour être des pollueurs. Là, on parle par habitant, bien entendu, mais les États-Unis sont seulement à 16, alors que les pays arabes de la Méditerranée, le Liban, c'est 4, l'Égypte, 2, et le Maroc, à peine 2. Israël, c'est 8. On ne va pas faire la liste plus longtemps. Toujours est-il que ces émissions de gaz à effet de serre, si elles sont faibles aujourd'hui pour les pays arabes de la Méditerranée, on prévoit, les scénarios, la prospective et l'analyse prévoient qu'ils ne vont cesser d'augmenter ces émissions de gaz à effet de serre dans des pays comme le Maroc, la Turquie, l'Égypte, la Tunisie, en raison notamment de la croissance démographique, des besoins, l'urbanisation, de la hausse des besoins énergétiques, du chauffage, mais aussi de la climatisation, bref, d'un ensemble d'activités qui vont augmenter cette consommation d'énergie. Mais cette région pays arabes de la Méditerranée ont aussi un très fort potentiel et en matière d'énergie renouvelable. Donc on va essayer aussi de voir le côté positif de cette région, notamment sur le solaire. Certains d'entre vous auront pu le voir au Maroc avec les grandes usines photovoltaïques, mais aussi l'éolien en Jordanie ou même la géothermie. Dans de nombreuses régions du monde, hein, pas uniquement dans les pays arabes, aujourd'hui la grande question est à la manière dont on va décarboner, c'est-à-dire réduire l'utilisation d'énergie fossile dans le mix énergétique, mais aussi globalement dans l'économie, hein. Ça, c'est la grande question, la grande priorité aujourd'hui pour répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique, mais aussi d'atténuation de notre impact sur le climat. Et bien entendu, le problème de la pollution, hein, avec la hausse des transports dans les pays arabes, au Liban et ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Donc il faut penser cette transition énergétique, la manière dont les économies et dont les sociétés vont s'adapter et vont effectuer une transition vers un mix énergétique qui soit plus respectueux de l'environnement, moins utilisateur d'énergie fossile et plus respectueux du développement durable. Alors derrière les aspects techniques, et j'ai presque fini mon introduction pour laisser la parole aux deux experts ce soir, derrière ces aspects techniques de la transition énergétique, hein, qui peut en rebuter plus d'un si on n'est pas ingénieur ou si on n'est pas fin connaisseur de la question. Ce sont des questions importantes, hein, les questions techniques. Mais derrière ces aspects-là, il y a une question politique. Et c'est principalement cette dimension qui nous intéresse ce soir avec mes deux comparses à ma gauche et à ma droite, qu'on va essayer d'aborder. Avant de vous présenter, je voudrais insister sur cette dimension politique très rapidement. Alors, des questions, des enjeux politiques, parce qu'il s'agit avant tout d'une forme d'économie politique, c'est-à-dire utiliser des ressources rares, absentes, financières, naturelles, etc., en fonction d'objectifs et en mettant en œuvre des politiques publiques qui répondent parfois à des logiques rationnelles ou irrationnelles, on pourra en parler. Cette dimension, cette dimension politique, elle est aussi géopolitique, puisque l'utilisation des ressources génère des tensions, des conflits, des convoitises, et se caractérise par des rapports de force. Alors là non plus, je ne vous apprends rien, puisque l'utilisation, l'exploitation des ressources fossiles, notamment de pétrole ou d'hydrocarbures, ont traversé littéralement le XXe siècle. D'ailleurs, on pourra peut-être aussi aborder cette question des nouvelles formes de conflits liées à l'usage des ressources pour la transition énergétique, hein, puisque c'est une transition qui est aussi intensive en ressources naturelles. Pas les mêmes, mais on aura l'occasion de parler de ces nouvelles formes de dépendance. Cette question, elle est politique à de multiples échelles, depuis l'échelle locale jusqu'à l'échelle internationale. Vous avez tous suivi les négociations climat à Paris en 2015, dans le cadre de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 21. Quelques années avant, c'était une réunion internationale qui s'est tenue à Doha. L'année d'après, c'était au Maroc, à Marrakech. Donc cette question climatique, énergie, des transitions, elle intéresse au plus près les gouvernements et les États. Pourquoi? Et c'est la dernière dimension politique de la transition énergétique, c'est que derrière l'accès à l'énergie, il y a aussi des inégalités, il y a des formes de précarité énergétique et qui sont forcément source d'instabilité sociale et socio-politique. Alors pour couvrir ces enjeux et les questions assez multiples qu'on vient déjà de soulever, on est très content à l'IREMO d'accueillir ce soir deux experts. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet-là tous ensemble. Alors je vais commencer à ma droite par vous présenter Nassima Ouhab. Vous êtes juriste, spécialiste de droit public, docteur en sciences politiques. Vous travaillez principalement sur les mutations économiques dans le monde arabe et dans le monde musulman, et vos travaux, notamment vos travaux de thèse, ont porté sur le pétrole, et plus précisément l'après-pétrole. Hein, vous avez d'ailleurs récemment publié cet ouvrage que vous pouvez trouver ici à l'IREMO, qui s'appelle « L'après-pétrole dans le monde arabo-musulman », hein, qui est une somme historique, politique et d'analyse sur le pétrole, mais aussi sur la transition et sur et sur l'après-pétrole. Hein, c'est publié aux éditions de l'Armatan. Notre deuxième intervenant à ma gauche, c'est Matthieu Auzanneau. Alors, vous êtes directeur du Shift Project. Le Shift Project, vous pourrez nous en dire quelques mots, mais rapidement, c'est un think tank qui tente d'influencer le débat public sur les questions liées à la transition énergétique. Et vous faites la promotion dans ce think tank d'une économie libérée de la contrainte carbone. Hein, vous avez été journaliste pendant plus de 10 ans. On vous connaît pour avoir animé un blog sur le quotidien Le Monde, Oil Man, c'est ça, chronique du début de la fin du pétrole. Et vous avez publié, il y a déjà 3 ans, en 2015, une autre somme très intéressante sur la grande histoire du pétrole, hein, qui s'appelle Or Noir, qui a été traduit en anglais d'ailleurs, et qui a été édité à la découverte. Alors le principe, je vous le rappelle, puisque ce soir, on va vous écouter chacun votre tour pendant 20 à 25 minutes. D'abord, ce sera vous, Nassima, où pendant ce temps-là, on va essayer de voir ensemble, à partir de vos travaux et de votre expérience dans les pays arabes de la Méditerranée, qu'est-ce que ce développement sans croissance des économies pétrolières, des pays arabes pétroliers, et essayer d'esquisser aussi les stratégies de sortie de l'économie de la rente, avec, comme toujours, le prisme politique. À vous la parole. Je vous remercie, Mathieu. Merci aussi à vous tous et à toutes d'être là ce soir pour nous écouter. Je rappelle brièvement, je parle brièvement sur mon livre « L'après-pétrole dans le monde arabo-musulman » qui est issu de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue en juillet 2016, donc dans lequel j'ai essayé un petit peu de faire comprendre ce paradigme de la ressource pétrolière, donc la rente pétrolière et son impact sur l'évolution, les développements économique dans les pays arabes et musulmans. J'ai choisi arabes et musulmans parce que ce ne sont pas tous les pays arabes qui sont musulmans et vice-versa. Donc je parle de l'Iran, de la Turquie également, qui ne sont pas des pays arabes. Donc j'ai fait exprès de moduler mon titre ainsi pour mieux expliquer. Ensuite, pour le choix de la rente, pour expliquer rapidement, nous sommes dans une économie en quelque sorte dominée par les revenus pétroliers. La plupart des États arabes pétroliers, notamment ceux du Golfe et de l'Afrique du Nord, je parle spécialement de la Libye et de l'Algérie qui possèdent les plus grosses réserves de la région. Donc, leurs économies sont dominées par la rente pétrolière à partir des années 70. La date de la nationalisation des ressources naturelles, parce qu'elles étaient des États sous colonisation. Donc, à partir de l'indépendance, la plupart d'entre eux ont préféré nationaliser leurs ressources naturelles afin qu'elles soient la propriété de l'État. Donc, pour marquer justement cette fracture entre l'Occident et l'Orient, et également essayer un peu de se détacher de la servitude vis-à-vis de l'Occident, notamment en matière économique, parce qu'on considère qu'il y a une très grande influence des Occidentaux sur le monde arabe durant la période de colonisation. Donc on essaye de couper un petit peu les liens en nationalisant les ressources naturelles, donc de recommencer à zéro et de développer les économies nationales. Alors que malheureusement, il y a certains États qui ont suivi des stratégies propres à eux, hein, surtout les pays socialistes comme l'Algérie, la Libye, l'Égypte, qui ont choisi le modèle de l'URSS, de l'Union soviétique à l'époque. Donc c'est un modèle qui a été construit pas sur mesure, mais en fonction de l'enchaînement des événements, la guerre froide et tout ce qui a suivi cette époque, donc des années 70-80. Il y a eu une stratégie d'industrialisante à travers laquelle la plupart des États socialistes ont souhaité développer les énergies, donc l'industrie qui est basée sur les énergies fossiles, sur les hydrocarbures. Et par la suite, ce développement aura un effet d'entraînement sur les autres secteurs de l'économie, notamment le tourisme et surtout l'agriculture. À partir des années, début des années 80, on s'est aperçu que ce modèle n'était pas le bon Donc ils l'ont choisi à tort parce qu'il a produit des effets qui sont controverses par rapport à ce qu'ils avaient décidé au départ. Ce qui a entraîné la crise donc, des années 80, notamment après le premier choc pétrolier de 1986, qui a entraîné tous ces États dans une crise économique profonde, et notamment la crise de la dette, ce qui a poussé les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, d'intervenir donc et d'imposer les plans d'ajustement structurel afin que ces États excusez mon français un petit peu, donc essayer de restructurer un petit peu leur modèle économique sur une base plutôt libérale. Ce qui n'a pas été au départ le choix des gouvernements des pays arabes socialistes. Ça a produit des effets, en effet, jusqu'au début des années 90, hein, parce que la plupart d'entre eux ont réussi quand même à surmonter les difficultés économiques, à développer les entreprises publiques qui étaient sous influence étatique. Donc c'est l'État qui commandait l'économie. Donc petit à petit, les entreprises se privatisent, enfin l'État privatise les entreprises et ouvre le marché intérieur afin que les investisseurs viennent en masse. Et aussi, ça a commencé l'époque de l'après-pétrole. Donc ça ne date pas des années 2000. Bien au contraire, ça datait des années fin 80, début 90. Beaucoup ont parlé de se détacher de la rente pétrolière et de développer les économies, les économies arabes sur une base d'une économie diversifiée, dans laquelle le secteur privé aura une influence plus grande que ce qui a été à l'époque. Mais ça traîne, jusqu'à ce jour ça traîne. Les premiers à prendre conscience de cela, c'était le Bahreïn, parce que c'est le premier pays en fait à industrialiser son économie au début des années 70. Il a très vite compris donc l'influence et aussi le danger du pétrole, le fait d'être dépendant à cette monoressource en quelque sorte. Donc ils ont industrialisé leurs économies. Et ça a profité à l'Arabie saoudite, qui a fait des complexes pétroliers au Bahreïn. Donc ça a été la première ouverture de l'État du Bahreïn vers une économie diversifiée et qui pourrait donc sur le long terme diversifier l'économie nationale. Le deuxième pays, c'était le Qatar. Il a aussi compris les dangers du pétrole, notamment après la crise de la perle. Donc, dès 1995, et ils ont imposé un plan national de diversification économique à travers lequel le Qatar ne dépendra pas uniquement du pétrole et du gaz. C'est vers les années 2000, et aussi, on l'a vu très récemment, les investissements en masse dans des compagnies étrangères cotées, également les investissements dans l'immobilier, dans des structures assez importantes comme le PSG. Donc, à travers tous ces investissements, on a compris que le Qatar veut vraiment diversifier son économie pour que, dans le futur, lorsqu'on n'aura plus besoin du pétrole, il aura au moins d'autres secteurs sur lesquels il pourra se baser pour faire perdurer son développement économique. C'est également le cas pour les Émirats arabes unis, donc l'Émirat de Dubaï et l'Émirat d'Abu Dhabi, qui ont aussi, dans les années 75, sous le prisme du Cheikh Zayed, ils ont aussi suivi cette vision, cette stratégie sur le long terme de diversification économique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup d'États arabes considèrent cette réussite, en quelque sorte, hein, comme un modèle à suivre. Et bien évidemment, c'est pas négligeable du tout, parce qu'ils ont réussi leur transition économique. Et énergétique également, parce qu'aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont considérés, aux côtés du Maroc, le seul pays de la région qui essaye en quelque sorte de se dépasser, de se détacher de cette rente pétrolière, non seulement parce que elle suffit donc les besoins nationaux, donc en tant que revenu, mais également pour minimiser la consommation de l'énergie, parce que les pays aussi qui exportent les matières premières, ils sont dépendants dans le sens où ils utilisent beaucoup de pétrole pour produire de l'électricité, également subvenir aux besoins de la population. Les Émirats arabes unis sont des, enfin, je dirais pas des gros investisseurs en la matière, mais quand même, ils ont fait des progrès impressionnants. Très récemment, en avril, le 30 avril 2018, il y a eu le parc solaire, le plus grand parc donc, du monde de Cheikh Mohammed Rachid Al Maktoum, qui est... enfin, qui pèse 12 milliards d'euros. Donc c'est un énorme parc énergétique dans lequel les différentes énergies renouvelables donc, se côtoient, l'éolien, le photovoltaïque, donc, etc. Et ils essayent en quelque sorte de minimiser, de réduire leur consommation en énergie fossile. Il y a également une ville qui s'appelle Masdar City, qui est une ville totalement construit sur la base des énergies renouvelables. Et la stratégie des Émirats en la matière, c'est de faire venir des experts et même des étudiants spécialistes de la matière, donc des énergies renouvelables, afin qu'ils continuent leurs études aux Émirats arabes unis, qui s'installent durablement, afin de contribuer à l'amélioration et au développement de la transition énergétique aux Émirats arabes unis. Plusieurs visions des autres États de la région, notamment l'Arabie saoudite dans sa vision 2030. On essaie également de construire une nouvelle économie indépendante des ressources pétrolières et du pétrole. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça reste que des promesses sur le papier. Donc, le prince héritier Mohammed Ben Salman a engagé de grandes réformes dès la prise donc, des rênes du gouvernement en 2016. Donc, il a annoncé les grandes réformes, notamment la privatisation de 5% de l'Aramco, l'introduire en bourse. Également, donc, préparer l'après-pétrole en se basant sur des énergies renouvelables. Il a annoncé beaucoup de mesures. Quelques-unes ont donné quelques effets, notamment l'introduction de la TVA, quelques taxes sur les produits comme le tabac. Donc parce que ces pays-là, ils n'imposaient pas d'impôts à leurs citoyens depuis de très longues années. Donc ils essayent un petit peu de diversifier à travers une partie des impôts, donc se baser sur des impôts, des investissements étrangers, que ce soit à l'intérieur du pays, donc essayer d'attirer plus d'investisseurs, ou à l'extérieur du pays, donc acheter faire des investissements aux États-Unis, en Europe, etc. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, est-ce que ces États ont vraiment réussi leur transition? Les déclarations qui ont été faites depuis les années 90 ne laissent penser à une victoire en demi-teinte. Pas pour quelques pays du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis, mais plutôt du côté de l'Arabie saoudite, de la Libye et de l'Algérie. Ces États-là ont toujours ce problème de la dépendance à la rente pétrolière. Et le problème majeur, c'est qu'ils n'arrivent pas à diversifier leurs économies et aussi, ils n'arrivent pas à se détacher au niveau donc, de la consommation nationale, de faire développer des autres énergies, parce que le pic donc, pétrolier, le pic oil, a été annoncé dès les années 2000. Dès 2000, on a annoncé que les réserves prouvées de ces États, ils commencent déjà à être réduites. Donc, on est arrivé à une consommation, à une surconsommation des énergies fossiles, et à travers laquelle il faudrait repenser le modèle économique, à la fois des exportations, à la fois la consommation nationale. Donc ces États, jusqu'à ce jour, ils ne trouvent pas encore le moyen d'assurer cette indépendance économique et politique. Moi, personnellement, j'ai posé d'ailleurs cette question, il y a un manque accru de la volonté politique, en quelque sorte, de remodeler le modèle économique de ces États. Pourquoi? Parce que la rente pétrolière, elle confère au gouvernement de ces États un certain confort artificiel, parce que l'exportation des matières premières ne nécessite pas des efforts. Donc, il y a le travail humain qui est fortement occulté dans ces États. Donc, on préfère exporter ou bien produire des matières, des produits qui sont faciles à extraire et à la fois à exporter et qui assurent une certaine assise financière assez importante. Pour l'Arabie saoudite seulement, d'après les données de 2018 des différents groupes d'analyse internationaux, elle détient environ 268 milliards de barils en termes de pétrole, donc de réserves prouvées. Elle a la capacité de produire environ 31 millions de barils par jour, mais aujourd'hui, elle produit uniquement 11 parce qu'il y a eu les contraintes de l'OPEP. Donc, elle a certaines capacités de production qui est énorme et qui lui assure en moyenne par année 200 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et si on regarde les revenus de ces États, et c'est le même cas à peu près pour tous les États de la région, l'Algérie qui détient environ 48 milliards de barils, elle est la 18e au rang mondial et la 15e en termes de réserves prouvées. Également la Libye qui détient entre 45 et 48 millions de barils également. Donc, on voit que cette capacité est impressionnante, mais est-ce que ces recettes assurent vraiment le développement économique? Ben non. Ces États, elles ont un taux de pauvreté qui avoisine les 12%, ce qui est énorme pour des États qui sont riches, parce qu'ils ont des ressources qui leur permettent de développer les infrastructures, d'avoir le meilleur modèle économique diversifié, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs choses qui impactent cette politique de la rente pétrolière et dans laquelle j'ai parlé avec une aisance dans mon livre. C'est le problème de la corruption, de la mauvaise gouvernance, également du transfert illégal des capitaux. La plupart des dirigeants de ces États, ils travaillent pour leur propre avenir et non pas pour l'avenir des pays dans lesquels ils vivent. Donc l'argent qui devrait être investi sur le terrain, il est investi ailleurs. Et j'ai posé également la problématique de l'épargne nationale. Dans les États arabes, enfin tous pratiquement, on a ce problème d'inclusivité du système bancaire. Beaucoup de citoyens n'ont pas confiance en leur institution financière. Et le premier qui est concerné d'ailleurs, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'État, il génère d'importants revenus, mais ces revenus sont mis dans des banques étrangères, notamment américaines et européennes, ce qui fait que les États étrangers, donc les occidentaux, profitent de ces ressources, donc de ces revenus, et les réinjectent dans leur circuit économique et profitent donc des retombées économiques de cette épargne, alors que les États qui produisent de la richesse n'en bénéficient pas. Donc, on a un certain paradoxe entre la richesse due à la rente pétrolière et donc le développement économique, donc ce qu'il a parlé tout à l'heure à Mathieu, donc ce développement sans croissance. Et bien évidemment, il y a aussi la croissance sans développement, parce que la croissance aujourd'hui dans les États arabes, elle avoisine les 2,5 voire 3%, beaucoup plus supérieure qu'en Europe, qui est aux alentours de 0,5 voire 1,5% dans certains États. Mais donc la croissance, elle est importante dans les États arabes. Mais est-ce que sur le terrain, cette croissance soutenue, elle produit vraiment des effets sur l'économie nationale? La réponse est malheureusement non. Aujourd'hui, il y a d'importants déficits économiques, déficits budgétaires notamment, parce que malgré les ressources importantes, la plupart des États souffrent de déficits budgétaires, n'arrivent pas à trouver l'équilibre, donc à équilibrer entre les dépenses et les recettes, parce que les dépenses sont de manière très importante supérieures aux recettes de ces États. Le seul pays jusqu'à présent qui a réussi un petit peu à dégager un excédent budgétaire, c'est le Qatar. Il était suivi de près par les Émirats arabes unis l'année dernière, donc en 2018, mais le budget de 2019, il s'annonce en quelque sorte en déficit. Donc globalement, c'est la problématique des ressources pétrolières. Juste pour revenir à la problématique de la rente, pourquoi on les appelle des pays rentiers? Tout simplement parce que leurs économies reposent sur les revenus issus de l'exportation des matières premières. Sauf les Émirats arabes unis et le Qatar, qui ont réduit la part des ressources naturelles, donc des hydrocarbures, dans leur budget, qui est descendu à 34%. Tous les autres États, les revenus pétroliers assurent entre 95 et 74% de leurs revenus, ce qui est important. Donc, leurs économies ne sont pas diversifiées, elles dépendent d'une manière... extraordinaire, enfin, c'est dangereux en quelque sorte, donc des revenus du pétrole. Et à cause de la baisse des prix, donc des cours depuis juin 2014, ces États, ils ont fait face en quelque sorte à d'importants problèmes économiques. Ils n'arrêtent pas de gratter donc dans les réserves qu'ils ont jusqu'aujourd'hui. Dans juste le cas de l'Algérie qui avait des réserves en 2014 à 193 milliards d'euros, aujourd'hui elle en est à 53. Donc ce qui est énorme, et où sont partis tous ces milliards. Sur le terrain, il n'y a pas eu de progrès, mais on n'arrive pas à dégager d'autres revenus, d'autres ressources à partir des autres secteurs de l'économie, notamment les marchés financiers qui sont très développés dans les pays du Golfe, et pas donc en Algérie, au Maroc ou en Libye. Et donc, ça pose de véritables problèmes pour l'avenir si les cours du pétrole restent sur cette base donc, de 40 voire 53 dollars le baril. Quel serait l'avenir de ces pays en absence de revenus pétroliers? Alors que le FMI, donc le Fonds monétaire international, dans ses différents rapports, il apprécie le prix de stabilité en quelque sorte des États arabes à environ 85 voire 110 dollars le baril du pétrole, alors qu'aujourd'hui on est en dessous de 85 dollars le baril. Et pour certains États qui ont eu la volonté d'y aller au-delà des ressources pétrolières, il y a la Libye, d'ailleurs à travers un grand projet qui a été fait au Sahara, initié par Mohammed Kadhafi, la grande rivière artificielle, qui est considérée comme une alternative aux ressources naturelles parce qu'il va développer des infrastructures au niveau du désert, donc développer le tourisme, l'agriculture, etc. Donc ça a été entravé par le conflit actuel qui oppose les différentes fractions politiques à la Libye depuis l'assassinat de Kadhafi en 2011. Et c'est le cas, bien évidemment, aussi dans d'autres États comme le Soudan, qui dispose d'importantes ressources. D'autres États, comme l'Irak, qui était sous sanction américaine pendant de très longues années, puis l'invasion américaine en 2003 a largement contribué à la destruction de l'économie de l'Irak, alors que c'était l'une des économies les plus prospères de la région dans les années 70, voire 80. Mais malheureusement, ça a été réduit à néant depuis 2003. L'Iran également, qui dispose d'importantes réserves en gaz et en pétrole, et les sous-sanctions américaines. Et là, une base industrielle très importante. C'est l'un des pays les plus industrialisés de la région. Mais malheureusement, à cause des sanctions américaines depuis les années 80, et on a vu avec Donald Trump qui a décidé de remettre en cause très récemment l'accord de juillet 2015, donc sur la levée des sanctions, qui entrave encore une fois l'économie de l'Iran. Voilà, j'espère avoir été... Enfin, j'essaie de faire un peu le tour, mais je vous laisse voilà, le libre choix de poser des questions, ouais. J'arriverai. Merci Nassima, je pense que vous avez effectivement brossé de manière assez précise le paysage de la transition et des États pétroliers. Et ça va, j'en suis sûr, suggérer plein de questions de la part du public ce soir. Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais je les garde pour plus tard. Je me tourne tout de suite vers vous, Matthieu Auzanneau. Alors, peut-être je vous laisserai bien entendu réagir aux propos de Nassima, mais moi, il y a deux grandes questions qui m'intéressent ce soir et deux réflexions sur lesquelles j'aimerais avoir partager vos retours. La première, c'est quelle est la place en fait, des pays arabes dans cette cartographie de la transition carbone et en même temps, quelle trajectoire de développement? Alors on est face à des États qui sont extrêmement différents, hein, de Bahreïn à Qatar jusqu'au Maroc, à l'Algérie ou au Liban. Mais en même temps, quelle trajectoire de développement pour ces pays qui aujourd'hui n'ont pas une économie très riche en carbone. Bien sûr, ça ne compte pas pour les pays du Golfe qui en dépendent, mais on a à la fois cette tension entre des trajectoires de décarbonation, réduire l'empreinte du carbone sur les économies et en même temps imaginer, concevoir des trajectoires de développement qui soient sobres en carbone, si l'expression est correcte. Ok. Ben, merci Mathieu, merci Nassima. Effectivement, vous avez brossé un tableau thématique assez exhaustif des problématiques qu'on se propose d'évoquer ce soir. À mon avis, ça va permettre de commencer à essayer de répondre à ce sur quoi vous me demandez d'insister. Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est comment diversifier, comment la problématique pour les grands pays pétroliers arabes, gaziers, pétroliers, comment faire fructifier leur rente. Je pense que vous avez essentiellement parlé de ça, de comment est-ce que certains réussissent ou pas à utiliser leur rente pétrolière ou gazière pour développer d'autres secteurs de l'économie. Et c'est une question qui est très différente, voire assez souvent contradictoire avec l'idée sur laquelle vous me proposez de parler, Mathieu, qui est celle de la sortie du politique de décarbonation, de sortir du pétrole. C'est vraiment deux choses très différentes et qui peuvent être assez piégeuses quand on les mélange. Vous avez cité, alors je le prononce bien moins naturellement que vous, donc je ne vais pas essayer de le prononcer correctement, je vais le dire à la française. Vous avez commencé par prendre l'exemple de Bahreïn, comme étant un pionnier de la diversification de l'économie. Il faut dire tout de suite quelque chose, c'est que Bahreïn a une particularité dans le pays, parmi les pays du Golfe, c'est que c'est un des rares à être quasiment dépourvu de ressources significatives, en tout cas pour la région, de pétrole et de gaz. Et alors, l'ironie du sort, c'est que tout récemment, ils viennent d'annoncer une découverte très importante l'an dernier de 80 milliards de barils de ressources potentielles ou réserves potentielles, en tout cas un gros chiffre, ils ont sorti un gros chiffre là-dessus qui serait, alors c'est pas très clair et les pétroliers occidentaux en tout cas sont assez réservés sur l'annonce de ces réserves, pardon, jeu de mots, mais voilà, donc on a déjà là un exemple des showstraps qui peuvent se présenter quand on parle de ça. Vous avez cité également l'exemple des Émirats Arabes Unis. Alors là, pour le coup, c'est pour moi un cas d'école d'un ensemble de pays qui a pu diversifier relativement son économie grâce à l'abondance de sa manne. C'est parce que les Émirats sont extrêmement riches qu'ils ont en pétrole et en gaz, qu'ils ont pu investir. Voilà. Ailleurs, chez eux, dans la financiarisation et le tourisme, ailleurs, alors vous avez cité l'exemple anecdotique du PSG, mais effectivement, en allant chercher des assets, en allant chercher des capitaux dans lesquels investir un peu partout autour du globe. Et là aussi, je voudrais donner un exemple qui montre que la situation est peut-être pas aussi nette. La distinction n'est pas forcément aussi nette entre ce que vous avez dit sur les Émirats et l'opposition que vous avez faite avec l'Arabie saoudite. l'Arabie saoudite, qui dispose des plus belles et des plus vastes réserves de pétrole conventionnel au monde, encore disponibles, a, sinon diversifié sa propre économie, a investi massivement sa manne pétrolière, beaucoup beaucoup en Occident, et en particulier aux États-Unis. Et ça, c'est pas des choses qui rentrent dans le PIB saoudien, mais par contre, c'est une source de dividendes extrêmement importante pour la famille saoud. En particulier, il y a eu un chiffre qui était sorti, j'ai pas retrouvé l'équivalent récent. Évidemment, c'était une époque où on regardait ça de très près, juste après le 11 septembre. Il y avait un journaliste d'investigation qui a travaillé notamment pour le Wall Street Journal, qui avait sorti une estimation, alors il y en a d'autres, mais expliquant que à peu près, sans doute quelque chose de l'ordre de la dizaine de pourcents de la capitalisation de Wall Street était détenue, alors non pas par des fonds souverains, non pas par un fonds souverain existant Urbi et Torbi, mais par directement des flux de capitaux cryptiques sortant d'Arabie saoudite. Historiquement, on peut revenir sur ça peut-être brièvement, c'est quelque chose qui est un deal qui a été passé entre les États-Unis et les Saoudiens au sortir du premier choc pétrolier, en 1973, les accords de Blair House, en 1974, où Kissinger, en tout cas l'administration américaine, le département du Trésor en particulier, passe un deal avec les Saouds consistant à rebrancher le flot exponentiel du fait du choc de pétrodollars en Arabie saoudite sur Wall Street. Et il y a eu, ça c'est assez bien documenté, des universitaires, des chercheurs américains qui ont expliqué que finalement il y avait plus d'argent qui était revenu à Wall Street que d'argent qui était sorti de la poche des automobilistes américains pour aller en Arabie saoudite. Voilà. C'est juste pour donner trois exemples, Bahreïn, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, du caractère potentiellement trompeur qu'il peut y avoir quand on parle de diversification de la manne pétrolière. Alors ça, c'est pour... Voilà. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que tous ces pays cherchent peu ou prou, avec plus ou moins de succès, on pourrait reparler du cas des récents symptômes des échecs pour l'Arabie saoudite, notamment sur le solaire. Mais ça, c'est en tout cas c'est le premier sujet qui est comment est-ce que ces pays, qui sont des pays pétroliers très riches, parviennent ou pas, plus ou moins habilement, à diversifier leur PIB, leur source de richesse. Ça, c'est une chose. La seconde chose sur laquelle qui m'intéresse moi plus directement, c'est la capacité à sortir du pétrole, à avoir une politique de, comment on dit, de décarbonation. Et je dis que ça m'intéresse plus par construction, puisque je dirige un groupe de réflexion dont le travail, c'est de pousser à la roue de la sortie des énergies fossiles. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste du Moyen-Orient, soit dit en passant, excusez-moi. Je ne suis même pas historien ni économiste, je suis juste un ancien journaliste qui m'intéresse beaucoup à ces questions de transition énergétique. Et alors là, pour ce qui est de la décarbonation des pays arabes en général et des pays pétroliers en particulier, la situation est... Il y a beaucoup à faire encore. Disons. Il y a beaucoup à faire. Je voudrais partir d'une petite réaction ironique à ce que vous avez dit en introduction au départ. Vous avez dit, finalement, dans le monde arabo-musulman, il y a les pays pétroliers et les autres. En fait, si on regarde bien, historiquement, il n'y a pas tant de pays, on a cité le cas de Bahreïn, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas du tout, ou qui n'ont pas été, des pays bénéficiant peu ou prou d'une manne pétrolière et d'hydrocarbures généreuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, effectivement, il y a des pays pétroliers, il y en a qui n'ont jamais été, par exemple le Maroc ou Bahreïn, pour des raisons géologiques. Mais il y a aussi, et ça, moi, ça me frappe beaucoup quand je me pose des questions politiques sur la transition énergétique, il y a aussi des ex-pays pétroliers, ou en tout cas des pays pétroliers dont la manne s'est considérablement tarie au cours des dernières années, et je voudrais en citer trois qui ont franchi, vous avez cité l'expression de pic de production, alors toute réserve finie, je ne sais pas si tout le monde est familier de cette notion de pic pétrolier ou de pic gazier ou de pic de ressources. Toute ressource finie, l'exploitation de toute ressource finie part d'un point zéro, passe par un maximum, puis décline jusqu'à revenir à zéro. C'est vrai pour un champ pétrolier, c'est vrai pour une mine de charbon ou pour votre tube de dentifrice. Alors, toute ressource finie, son exploitation part de zéro, passe par un maximum, puis entre en déclin. Et 3 pays récemment ont franchi leur pic de production d'hydrocarbures, 3 pays relativement importants, qui ont bénéficié d'une manne importante à un moment donné de leur histoire, ont dans une période, au cours des 15 dernières années, grosso modo, ou des 2 dernières décennies, franchi leur pic de production, de pétrole, en tout cas, et dans certains cas de gaz. 4, en fait, je vais en citer 4. L'Égypte, la Syrie, le Yémen et l'Algérie. Vous voyez tout de suite là où je veux en venir, sans doute. Alors, je suis pas chercheur, donc malheureusement, j'aimerais... avoir les moyens de travailler. Bon, quand on est journaliste, au moins les bons journalistes essaient d'être humbles. Donc on survole les sujets, on voit des symptômes et j'imagine qu'il y a des chercheurs dans la salle. Parfois on tombe sur des choses à explorer. Il y a un cas que j'ai un tout petit peu regardé en bénéficiant du travail d'autres chercheurs, c'est celui de la Syrie. C'est assez frappant pour moi de constater que la Syrie, qui a été un producteur pétrolier de second rang, comme on dit, c'est-à-dire ils ont produit quelques centaines de milliers de barils par jour pendant 2 ou 3 décennies, ils ont franchi un pic en 2002, si ma mémoire est bonne. Lorsqu'ils étaient à leur maximum, c'était donc un producteur dit de second rang relativement important qui peut être comparé au Gabon, par exemple, qui, soit dit en passant, a également franchi son pic, mais c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. Mathieu, pour les 4 cas que vous avez cités, effectivement, ils ont atteint le pic. Par contre, il y a une différence importante entre les 4, la Syrie, le Yémen et l'Algérie. Ils ont atteint le pic dans les années 2000, mais ils continuent tout de même à produire le pétrole. Oui, bien sûr. Par contre, l'Égypte est passée d'un État exportateur à un État importateur net. Le gaz, ouais. Donc, voilà, donc ces ressources ont effectivement été annihilées et devenu un pays importateur. Alors, ils continuent à produire un petit peu d'hydrocarbures, mais effectivement, ils sont massivement importateurs. Ouais. Vous avez tout à fait raison de le préciser. Mais mon point est le suivant. Dans le cas de la Syrie, et je pense qu'on peut documenter les choses de manière à peu près similaire pour le Yémen, enfin, avoir des symptômes similaires pour le Yémen sans doute, mais je ne l'ai pas regardé, et dans le cas de l'Algérie, ça par contre, j'en suis sûr. On voit, après le franchissement du pic, dans le cas de la Syrie, donc la production décline, année après année, pour des raisons géologiques, parce que les ressources se tarissent, et que les pétroliers, l'industrie pétrolière ne parvient pas, pour des raisons physiques, pour des raisons géologiques, à maintenir la production. On voit donc au cours des années 2000, bien avant la guerre civile, et soit dit en passant, au cours d'une période où les prix du baril ont augmenté considérablement, on voit le welfare state, l'État-providence, si j'ose appeler ça ainsi aujourd'hui, à la Bachar el-Assad, se déliter un petit peu, peu ou prou. On voit... peu ou prou les subventions sur la nourriture s'arrêter, sur les carburants, et ainsi de suite. Il y a tous les pays qui sont très riches en pétrole ont tenté d'acheter la paix sociale, qui sont en général, dans bien des cas, des dictatures, ont tenté d'acheter la paix sociale grâce à la manne. Okay, dans le cas de la Syrie, alors encore une fois, surtout que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus, ici, il me semble qu'il y a quelques symptômes intéressants d'une crise politique non pas engendré, mais favorisé, en tout cas, par un facteur purement écologique. Évidemment, si vous tarissez les sources physiques de votre manne, ça revient à appuyer sur la carotide de la société en son entier. Le Yémen a franchi un pic tout à fait brutal, tout comme la Syrie. je vais dire quelque chose d'assez imprécis, je crois à peu près une dizaine d'années, j'ai pas revérifié les chiffres, avant le nouvel épisode d'affrontement dans son histoire. Je serais très curieux, en tant qu'écologiste, que ça soit exploré davantage, parce qu'il me semble qu'il y a là un symptôme problématique de ce qui peut nous attendre. L'Algérie, lorsque la production de pétrole de la Sonatrach est passée par un maximum en 2007 et à un quart en dessous du maximum atteint à ce moment-là. Pour avoir discuté avec quelques anciens de la Sonatrach et un ancien ministre du pétrole du très court gouvernement libéral avant la guerre civile, les gens, en tout cas, rangeaient des voitures. C'est souvent intéressant quand on est journaliste de discuter avec des gens qui sont à la retraite. Disent que modulo le shale oil, les ressources éventuelles en pétrole de schiste en Algérie, bon, quelque part, la fête est finie. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendent pas, en tout cas les pétroliers avec qui j'ai discuté, qui ne sont plus aux affaires, donc peut-être il y a sans doute des choses que je ne sais pas, ne s'attendent pas à ce que le déclin qui s'est amorcé de la production pétrolière en Algérie soit renversé et qu'on puisse revenir au niveau de production qui ont été atteints au milieu des années 2000. Bon, ça veut dire des choses très concrètes. C'est une pression. Moi, je dis toujours que la sortie du pétrole, c'est de gré ou de force. Degré si on anticipe, et de force parce que Mad Max, dans certains nombre de cas, ça n'est pas une vue de l'esprit. Voilà, ça c'est un premier point qui a été beaucoup trop long. Non, à peu près, ça va. Second point, donc les pics pétroliers, c'est une réalité. Je suis pas du tout un spécialiste, ni même un bon connaisseur du monde arabo-musulman. J'ai eu la chance d'aller à Alger présenter mon bouquin il y a de ça 2 ans. J'ai été interviewé à ce moment-là par... Enfin, le déclin de la manne pétrolière est quelque chose qui est très concret, en tout cas pour les gens lambda avec qui j'ai pu discuter. Ils ont ça tout à fait en tête. Il y a une agence que vous connaissez sans doute qui s'appelle l'ANSEJ, qui en Algérie, avant la chute des cours du baril, permettait d'acheter la paix sociale très généreusement auprès de la jeunesse. Je comprends que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que, évidemment, les cours du baril se sont effondrés, mais évidemment, il y a quelque chose de fond derrière, et c'est ça qui m'a frappé comme étant quelque chose de très concret pour l'homme de la rue, pour la femme de la rue, si on veut dire les choses comme ça en Algérie, c'est le déclin de la production pétrolière algérienne. Ouais. L'autre problème sur lequel je voulais beaucoup plus rapidement, parce qu'il est beaucoup mieux documenté, beaucoup mieux connu, c'est le problème de l'autoconsommation. Alors là, sur les aspects de capacité des pays arabo-musulmans à sortir plus ou moins facilement du pétrole. Il y a un gros truc qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'ils font pour l'instant, on en est dans un stade contraire à la sortie du pétrole. C'est-à-dire que la consommation de pétrole, en particulier pour les pays producteurs, augmente. Et augmente très rapidement pour 2 raisons. La principale étant l'augmentation de la population, qui est quand même un facteur très très lourd. Et la seconde, pour les mieux lotis, par la progression du PIB, elle-même due à la manne pétrolière. Okay, ce qui fait que dans un cas extrême, dans un cas limite, qui est celui de l'Arabie saoudite, vous avez l'Arabie saoudite produit quelque chose comme 10 à 12 millions de barils jour, grosso modo. L'autoconsommation, la consommation saoudienne est passée de quelque chose comme un demi-million de barils jour dans les années 90 à 4 millions de barils jour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils consomment plus que la France. Ce qui est quand même assez spectaculaire pour plein d'excellentes mauvaises raisons, notamment parce que c'est un des rares pays au monde qui produit encore beaucoup d'électricité avec du chioul, ce qui est, même les Saoudiens le savent, une très mauvaise idée, mais quand on a beaucoup de chioul, ben, écoutez, c'est assez tentant, à la fois. Donc ils en ont besoin parce qu'ils ont tout électrifié, que le niveau de vie a considérablement augmenté, qu'il y a beaucoup de climatisation, il n'y a pas beaucoup d'eau douce, donc il y a des grosses usines extrêmement voraces en énergie qui désalinisent l'eau salée, l'eau du Golfe. Donc ça, c'est un problème domestique énorme, qui pour l'instant est, à ma connaissance, absolument irrésolu. Non résolu. Et puis c'est un problème, incidemment, mais ce n'est pas le sujet ce soir, c'est un problème pour les capacités d'exportation mondiale de l'OPEP. Quand vous mangez, en quelque sorte, un tiers de votre production, que vous êtes le premier producteur mondial et que vous mangez un tiers de votre production, bon, je dirais que c'est mieux que les États-Unis qui, eux, continuent à consommer 2 fois plus que ce qu'ils produisent, à peu près. Alors maintenant, comment est-ce que qu'est-ce qu'ils essayent de faire pour les uns et les autres pour sortir des énergies fossiles? Alors tout d'abord, il faut être très clair, l'enjeu de la sortie des énergies fossiles dans la consommation domestique des pays arabo-musulmans et des pays producteurs d'hydrocarbures en particulier ne concerne à peu près que l'électricité. C'est un truc qu'il faut rappeler parce qu'on le perd souvent de vue. L'électricité, en général, ça se balade entre 10, 20 et 30% de la consommation d'énergie totale. Autrement dit, aucun de ces pays-là, mais ils sont, à ce titre-là, on est exactement dans la même situation, on ne sort pas notamment du pétrole pour les transports. Et bien souvent, on n'en sort pas non plus quand il y en a, la production de chaleur, que ce soit chaleur industrielle ou chaleur domestique. Donc voilà, quand on parle de décarbonation ou de sortie des énergies fossiles pour ces pays-là, on parle quasiment exclusivement de sortir des énergies fossiles pour l'électricité. Et c'est petit. L'électricité, c'est, voilà, comme je disais, c'est une fraction de la consommation globale d'énergie. Et alors là, il y a trois voies principales qui sont explorées avec plus ou moins de bonheur. En général, les ressources en hydraulique. Donc il y a trois grandes voies hein, pour sortir des énergies fossiles. Vous avez les barrages, vous avez les énergies intermittentes, renouvelables, donc solaire et éolien, et puis vous avez le nucléaire. Alors les barrages, soit ça a été... Grosso modo, il n'y a pas tellement de choses à attendre, puisque soit... à part dans quelques cas particulier, peut-être en Algérie d'ailleurs, je ne sais pas. Soit on est à peu près au maximum, soit les ressources sont on est dans un pays non montagneux, donc c'est pas intéressant. Alors le solaire, il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses sur le solaire. Alors le solaire à concentration, c'est-à-dire vous faites chauffer du sel fondu et vous récupérez la chaleur lorsque le soleil commence à se coucher. Ça, c'est très intéressant, c'est très approprié. C'est la voie qu'a notamment choisi le Maroc. Mais alors avec des capacités de production à terme qui sont, allez, je l'ai dit, ridicules, qui sont faibles par rapport à la consommation globale d'énergie du pays. On parle en 2020 de quelque chose comme 2 gigawatts. Je n'ai pas regardé combien l'Algérie consomme au total, mais... la puissance dont ils ont besoin, mais c'est petit, c'est relativement petit. Mais c'est très intéressant, et c'est techniquement, pour ces latitudes-là, sans doute une voie à explorer, si on en a les moyens, parce que c'est cher. Il faut dire ça. Et pour le photovoltaïque, c'est plus compliqué, pour une raison physique toute bête, c'est qu'on pourrait se dire, on dit toujours, c'est formidable le photovoltaïque, quand on est à des basses latitudes, parce que l'ensoleillement est très bon. Le problème, c'est que plus il fait chaud, moins le photovoltaïque, ça marche bien. Donc ça peut poser des problèmes techniques. Il faut regarder un peu précisément les capacités. Et puis un autre problème, c'est que quand on est dans des pays où il y a beaucoup de poussière et beaucoup de sable, ça fait chuter radicalement les rendements des panneaux photovoltaïques. Alors, un truc qui serait très intéressant, c'est d'explorer la chaleur solaire. Quelque part, c'est ce qu'est le solaire à concentration. Pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose. Et alors après, ça, c'est techniquement, parce que ça pose comme problème. Et après, il y a la sécurité des contrats, la capacité à mener des négociations à bien. Et là, je voulais encore proposer l'Arabie saoudite en cas limite, avec des capacités d'investissement fantastiques, mais des échecs industriels absolument spectaculaires. Ils ont annoncé 200 milliards d'investissements dans le PV, dans le photovoltaïque, avec une banque japonaise qui s'appelle SoftBank. Là, ils ont ça spectaculairement capoté. C'était l'an dernier. Et là, ils en sont à parler de peut-être 1 milliard investi. Donc on passe de 200 à 1 milliard. Quand on est un investisseur, c'est des choses qui retiennent l'attention. Et puis, il y a le nucléaire. Et là, c'est intéressant, vertigineusement intéressant, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que le gendre de Donald Trump aimerait bien arriver à placer des centrales aux Saoudiens qui, eux, aimeraient beaucoup, et depuis longtemps. Je connais personnellement des gens des VRP de EDF qui sont allés en Arabie saoudite. C'est une voie techniquement et capitalistiquement à la portée d'un pays comme l'Arabie saoudite. On sait évidemment que les Coréens ont construit une centrale très importante qui est branchée au réseau aux Émirats. Je ne sais jamais si c'est à Abu Dhabi ou à... C'est à Abu Dhabi, je crois. Dubaï. Ah, Dubaï ? Je crois que c'est Dubaï. C'est Dubaï dans la région de Haqqa, enfin Baraka. C'est Dubaï, mais tout le monde, c'est branché sur tout le monde. Voilà, donc c'est branché, c'est la première d'ailleurs dans le monde arabe. Voilà. Et bon, pour finir, parce que j'ai déjà été un peu trop long, bah, évidemment, alors c'est rigolo avec Jared Kushner, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, en fait Westinghouse, qui est le leader nucléaire américain, d'ailleurs qui a les brevets de toutes les centrales qu'on a en France, qui a eu des petites difficultés récemment, serait en cheville avec Jared Kushner, Kushner ayant fait appel au fonds d'investissement qui détient Westinghouse, pour lui arranger le coup sur une mauvaise affaire immobilière que Kushner a fait à Manhattan, avec comme contrepartie que Kushner serait allé faire le VRP du nucléaire américain en Arabie saoudite. Donc évidemment, c'est un casus belli. Enfin, on imagine la réaction à Téhéran. Bon, il n'y a que des gens qui connaissent bien le sujet ici, j'ai pas besoin d'épiloguer, mais c'est bon, c'est quand même... moi, je trouve que Trump... J'aime bien citer Marx pour ça, le 18 Brumaire. Peut-être finir là-dessus. Marx disait « L'histoire se répète toujours deux fois ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Première fois sous forme de tragédie, la seconde fois sous forme de farce. Bah là, moi, j'ai l'impression d'avoir 2003, Irak, la tragédie, et Kushner et les relations, les épiphénomènes de la relation saoudo-américaine avec sous Trump comme une totale farce, une farce tragique et effrayante, mais une farce. Voilà. C'est un peu hors sujet, mais j'avais envie de conclure là-dessus. Non, si, juste d'un mot, peut-être. Vous avez cité Masdar. Alors là encore, un bel exemple des mirages du désert qu'il peut y avoir sur la question. Donc Masdar est une cité. Vous avez parlé d'une ville. Pardon de vous contredire, c'est un îlot, un petit îlot dans le désert, et qui pour moi a tout... Alors qui est censé être le state of the art, l'état de l'art que Abu Dhabi est capable de présenter que les Émirats sont capables de présenter sur le développement des énergies renouvelables. C'est juste à côté d'ailleurs de l'Association internationale des énergies renouvelables. Je ne sais plus, c'est un truc para-onusien, j'oublie toujours le nom. Mais j'y suis allé avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'attente. Moi, ça m'a fait l'effet d'un village potemkin. Ça ne ressemble à pas grand-chose, en fait, en vrai, sur place. Mais je me trompe peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui... Voilà. Non, alors ça a une dizaine d'années. Ils voulaient le développer massivement. J'ai vu les plans. Vous avez une maquette qui est vraiment une ville, pour le coup, de blocs. Vous voyez, à l'américaine, il y a un bloc qui est construit et qui ne ressemble pas à grand-chose. Non, vous n'êtes pas d'accord, madame? Non. Je trouve que c'est très intéressant et qu'ensuite, ça fait appel aussi aux anciennes techniques de la tour avant, etc. Oui, oui. Madame, si vous voulez juste attendre le micro pour qu'on puisse vous entendre à la vidéo. Bah, on peut débattre de Masdar. En tout cas, vous êtes d'accord que ce n'est pas une ville? Oui, mais enfin, ce n'est pas quand même 2 ou 3 bâtiments. Et c'est surtout une expérience. Donc. Ah oui, c'est une expérience, très bien. Mais de passer de l'expérience à un modèle de développement urbain, vous admettrez qu'il y a un long chemin, quand même. Et ensuite, madame disait bien qu'ils ont fait venir tout un tas d'étudiants, de spécialistes, qui réfléchissent aux matériaux utilisés, qui réfléchissent à la disposition des fenêtres. Enfin, moi, je trouve que c'est remarquable comme expérience. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai surtout vu du ciment et du béton et de l'acier. Non, mais je crois que... J'ai les photos, si vous voulez, on pourra les regarder. Ça m'a fait beaucoup rire, moi. J'imagine. Je n'en reste pas moins sceptique, mais on en discutera. On va en profiter pour prendre une série de questions, remarques, commentaires. S'il vous plaît, attendez d'avoir le micro pour le faire et ensuite posez votre question ou votre remarque. Sinon, on peut continuer à débattre de Masdar, mais... Pas de questions. Si. Ah, bah voilà, très bien. Merci, monsieur. Il n'y a personne. Ça va motiver les autres. Merci pour cette présentation très intéressante. Je voudrais simplement faire un commentaire général. En fait, la consommation de ces pays-là, comme le Qatar, comme Abu Dhabi, comme l'Arabie saoudite, effectivement, c'est très élevé par personne, par capita. Par exemple, le Qatar consomme à peu près 17 tonnes d'équivalent pétrole par capita. Mais le nombre par an, bien sûr. Mais le nombre de gens, c'est absolument négligeable. Vous avez 250 000 personnes. Hein. Et ne sont pas les Pakistanais ou bien les Indiens, les Philippins ou Qatar qui consomment ce genre d'énergie. Ils consomment beaucoup moins par capita. Ah ben bien sûr. Un Pakistanais, je pense, je ne sais pas le différent. Un Pakistanais au Pakistan consomme 400 kilos par an. Voilà. C'est même pas une demi-tonne. Hein. L'Afghanistan encore moins, le Bangladesh pareil, tout ça. Mais le problème en fait, le problème énergétique aujourd'hui, quand il s'agit de la pollution, de CO2 et tout ça, c'est l'Europe, c'est la Chine et c'est les États-Unis. Un Américain consomme 2 fois plus qu'un Français, au moins 2 fois plus, 2,5 fois. Il consomme 7 tonnes par an par capita, un Américain. Un Français ou bien un Allemand consomme 2,8. Un Russe, 2,5 tonnes. La Chine est en train de rattraper l'Europe dans la consommation. Ça, ce sont les pays qui ont un problème absolument immense, qui ont besoin de structurer la consommation pétrolière ou bien fossile dans l'avenir pour réduire en fait la CO2. Mais ne sont pas les pays du Golfe. Ça, c'est une goutte d'eau en fait dans la production de CO2 dans le monde. Alors, quand il s'agit là... Tout le monde a une goutte d'eau. Hein. Par la Chine et les États-Unis, tout le monde a une goutte d'eau pour la production de CO2. Non, non. Moi, je n'ai pas pointé du tout le climat. Je n'ai même pas parlé du climat. Je parlais du problème de la dépendance. Il y a 1,3 milliard de personnes qui consomment. Oui, oui, très bien. Ah, c'est toujours le problème du voisin. Les États-Unis, vous avez 350 millions de personnes qui consomment. L'Europe, c'est 150 millions. Ouais. 160 en Russie. C'est ça, en fait, le problème. L'Inde. Aujourd'hui, on ne peut plus. Moi, je connais l'Inde très très bien. Dans les années 80, il n'y avait pas de problème véritablement de pollution à Bombay, New Delhi, surtout à New Delhi. Aujourd'hui, c'est absolument insupportable de marcher dans la rue. Vous avez une question ou alors on fait passer le micro pour revenir à la Méditerranée? Parce que la Chine, c'est très intéressant. Oui, ça, mais, non, je reviens à la Méditerranée. Si vous avez une question rapidement, s'il vous plaît. Non, il y a quelque chose, je me suis en fait parlé. Je ne comprends pas la situation de la Syrie. Ou le Yémen et tout ça, ce sont des pays qui ont des guerres aujourd'hui, qui ont des problèmes, et je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Pourquoi la Syrie, en fait, la Syrie avant les événements... Pourquoi je dis quoi? Pardon? Pourquoi je dis quoi? Non, non, je ne dis pas, vous n'avez pas tort. J'ai tort de dire quelque chose, mais je n'ai pas compris ce que vous voulez dire sur la Syrie ou bien le Yémen. Ce sont des économies de guerre aujourd'hui, des économies de guerre. Hein? La Syrie consomme 25 000 barils par jour aujourd'hui, pas de consommation, elle produit 25 000 barils par jour. Oui, non, c'est bon. C'est bon. On va avoir la réponse. Oui, mais... merci monsieur. Merci. Allez-y. Allez-y, je reviendrai après parce que je. Je trouve que. Une question au fond. Là, hein, je peux répondre brièvement, en fait, peut-être. On va prendre la deuxième question, comme ça on pourra répondre collectivement. Oui, bonjour, merci pour la discussion. Du coup, Nassima, je vous appelle par votre prénom parce que je ne réussirais pas à prononcer votre nom. Nassima me va très bien. C'est pour une précision, peut-être que je n'ai pas très bien écouté, mais vous avez dit tout à l'heure qu'à part le Qatar et les Émirats, tous les autres pays évoqués ont entre 70 et 90% de leurs revenus tirés des hydrocarbures. Je voulais savoir si vous parliez en termes de revenus du gouvernement en termes de part en fait dans les exportations, ou c'était quoi en fait? Alors c'est des revenus tirés de l'exportation des matières premières, donc du gaz et du pétrole. Mais revenus pour le gouvernement, revenus pour le pays. Le PIB en fait, ça pour le produit, voilà, donc c'est la part dans le PIB. Voilà, donc c'est le revenu qui pèse dans le PIB de pays, donc de produit intérieur brut. Donc sans ces revenus là, l'État valait pas grand chose. Donc, en fait. Oui, c'est donc 70 à 90% du PIB. Oui, 97 en tout cas pour les pays comme l'Algérie, la Libye, parce qu'ils n'ont pas d'autres secteurs économiques qui sont prospères, hein, qui pourraient attirer des investisseurs, même des capitaux étrangers. Donc le seul secteur aujourd'hui qui est porteur, c'est les énergies, donc les hydrocarbures, gaz et pétrole bien évidemment, les deux compris. Donc c'est pour ça qu'on parle de pays pétroliers, parce qu'ils tirent la part importante de leurs revenus de l'exportation des hydrocarbures. D'accord. Donc oui, ça me paraît énorme en fait, énorme, comme part du PIB, ouais. C'est vraiment énorme. C'est toute la question en fait, c'est pour ça. Ok. Ouais, bah, merci bien. Mathieu, je vous laisse peut-être répondre sur ou reformuler, expliquer un petit peu pourquoi est-ce que dans la question des ressources. Oui, oui. Ce que j'essayais de suggérer, c'était qu'il y avait quelque chose de symptomatique dans le fait de voir deux pays pétroliers importants connaître une guerre civile, ou en tout cas un délitement brutal, une dizaine d'années à peu près, après que leur manne pétrolière eut commencé à se tarir. Voilà. Je trouve que j'aurais pas le... l'aplomb d'affirmer des choses. Je dis simplement qu'il me semble intéressant de voir, en particulier dans le cas de la Syrie, qu'un certain nombre de politiques de soutien à la consommation, d'aide à la consommation, ont dû être arrêtées, 2004, 2005, 2006, à partir du moment et très directement, ou en conséquence très directe, du fait que la rente pétrolière syrienne a commencé à décliner parce que le pic de production était franchi. Et ce pic de production a été franchi 10 ans après la guerre civile. Je ne suis pas du tout, définitif et affirmatif. Encore une fois, je parle en tant que journaliste, je dis j'ai observé ça, je trouve ça symptomatique, d'autant plus qu'on voit des phénomènes qui ressemblent à ça dans le cas du Mexique, du Venezuela, du Yémen. D'autres pays qui, effectivement, ont... Même, j'ai envie de dire, je pourrais argumenter la Grande-Bretagne. Des pays qui ont eu des ressources pétrolières très importantes et qui, à un moment donné, ont franchi un pic de production dont la ressource qui est une ressource franche. C'est-à-dire, il n'y a aucune activité qui offre des taux de profit comparables au pétrole. Bon. Ce qui fait que quand vous avez une ressource pétrolière, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Beaucoup d'argent. Stiglitz, par exemple, bon, je prends le cas de la Grande-Bretagne, parce que celui-là, il est... Stiglitz a dit, dans une interview à la BBC il y a une dizaine d'années, on l'interrogeait sur les années Thatcher, et à la fin des années Thatcher, on lui disait, mais est-ce que vous ne reconnaissez pas là qu'à la fin des années 80, en Grande-Bretagne, il y a eu une espèce de miracle économique qui était dû au libéralisme et à Thatcher. Et Stiglitz, dont prix Nobel d'économie, a répondu, mais vous êtes des... Je pense qu'il avait envie de rigoler ce jour-là. Il dit, vous êtes des idiots, les Britanniques, puisque en fait, vous croyez que c'est Thatcher, mais en fait, c'est pas Thatcher, c'était le pétrole de la mer du Nord. Vous aviez une manne que vous avez dilapidée, et aujourd'hui, alors je ne vais pas faire le lien avec le Brexit parce que là, ça serait très, très osé, mais il y a quelque chose quand même, je suis très sérieux, dans la dépendance. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes extrêmement dépendant à une source de richesse et que cette source de richesse se tarit? Et je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui est très fertile. Et je pense qu'il n'est pas suffisamment exploré, puisqu'en fait, et dans le cas de la Syrie, en plus, pour y revenir, on a une combinaison de deux phénomènes, physiques, naturels, qui, à mon avis, ont contribué à mettre une société sous tension. Il y a sous tension. Le déclin du pétrole en Syrie, je pense, en tout cas ça mérite d'être exploré, a pu contribuer à mettre la société sous tension en sapant les bases du welfare state, de l'État-providence à la Bachar el-Assad, puisqu'on voit très bien effectivement cette politique de subvention s'arrêter au cours des années 2000, après le franchissement du pic. Ça, c'est un. Et deux, bon, ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus connu. Il y a cette période... alors, on ne sait pas jusqu'à quel point ça a eu de l'influence, mais une période de sécheresse très grave en 2007-2008, qui est aussi également un phénomène naturel, lié peut-être aux énergies fossiles, puisque cette sécheresse est dite centennale et néanmoins correspond à ce que les géologues, les climatologues disent qui va advenir, puisque tout le pourtour méditerranéen, d'après les modèles climatiques, est voué à être de plus en plus sec. Là encore, pour moi, on a une crise écologique qui a pu contribuer à appuyer sur la carotide de la société syrienne. Avant de redonner la parole aux personnes qui sont là ce soir, peut-être vous pouvez réagir, Nassima, sur cette question qu'on a traitée sur la Syrie, du rôle de la rente dans la transformation politique. Je crois que c'est un point que vous abordez dans votre ouvrage. Oui, tout à fait. Le rôle de la rente dans la transformation de la nature des États. Donc, on est passé d'un État régulateur, en quelque sorte, et d'un État régalien, donc, qui avait pour fonction principale donc, de veiller sur la population, donc d'assurer la sécurité, un État acteur économique à part entière. Donc, l'État, il avait la main... dans tous les circuits, dans tous les secteurs économiques. Il y avait des entreprises étatiques et même parfois privées sous influence publique qui utilisaient la main pétrolière pour se développer. Donc on avait un État en quelque sorte qui a affranchi cette nature d'État régalien à laquelle il devrait normalement s'arrêter pour devenir un acteur économique qui utilise la rente pétrolière pour des raisons extra-économiques, en quelque sorte. Donc, qui ne sert pas, en fin de compte, aux intérêts de la population et de l'État, comme il devrait l'être dans des États développés, des États démocratiques, comme on a pu le voir en Occident, par exemple. Donc, c'est une influence majeure, parce que la manne a donné une certaine force à ces États, pour devenir des dictatures d'ailleurs. Donc ça leur a permis de renforcer leur pouvoir. On a pu le voir dans beaucoup d'États, la Libye, l'Algérie également aujourd'hui, mais il y a une certaine conscience dans la rue, au sein de la société civile, qui a finalement décidé de se révolter d'une autre manière pour faire comprendre aux élites au pouvoir que l'ère de réconfort est terminé. Donc il a fallu partager la rente, parce qu'il n'y a pas eu de redistribution de richesses comme il devrait l'être. Et je fais référence d'ailleurs à la maladie hollandaise, donc, aux Pays-Bas, durant les années fin 60, début 70, il y avait les mêmes symptômes et les mêmes problèmes de la rente pétrolière. Mais lorsqu'on a vu les situations économiques et politiques se dégrader, on a très vite compris que c'est dû à la rente pétrolière. Donc on s'est affranchi de cette problématique pour changer un petit peu, restructurer non seulement l'économie, mais également la politique. Mais dans les pays arabes, ils ont du mal, comme je l'ai souligné au début de mon intervention. Et il y a ce confort artificiel qui est tellement facilite donc, les revenus pour l'État. Donc ils arrivent quand même... à exporter des matières premières assez importantes et primordiales et qui leur confèrent des revenus importants tous les ans et qui leur permettent donc d'assurer leur avenir en quelque sorte. Ils ne sont pas prêts de lâcher cette ressource assez facilement. Donc la rente, elle a contribué grandement au maintien des personnes au pouvoir pendant de très longues années. Alors Kadhafi, il a soulevé cette problématique en 2008 lorsqu'il a décidé le partage de la rente entre le peuple et les dirigeants. Ce qu'il a dit, cette rente appartient non seulement aux dirigeants, mais également tout le peuple libyen. Il a décidé donc d'attribuer à chaque Libyen, qui ne sont pas certes nombreux, ils sont à peine quelques 6 millions d'habitants, ce qui permet en effet de partager la rente qui s'élevait à plus de de 73 milliards à l'époque. Aujourd'hui, on est aux alentours de 23,5, 23 milliards et quelques, mais c'est des ressources très importantes. Et Kadhafi a réfléchi à cette possibilité de partager la rente directement, donc c'est un partage direct de la rente. D'ailleurs, il a remis en cause toutes les institutions étatiques. Il a supprimé quelques ministères pour pouvoir permettre au peuple d'exercer le pouvoir à sa façon. Donc on a considéré un petit peu l'État libyen comme un État archaïque et que Kadhafi était totalement fou. Mais si on regarde de près cette démarche, c'est en quelque sorte ce qu'il a fallu faire depuis de très longues années, même dans les autres pays. Et aujourd'hui, si on voit les événements en Algérie durant les années 2011, comme il l'a souligné Mathieu tout à l'heure, la rente pétrolière a contribué à l'achat de la paix sociale. On donnait des crédits aux jeunes et on les efface quelques années après, 2-3 ans. On subventionne les matières premières, on facilite les projets des jeunes pour qu'ils ne se révoltent pas. C'était le cas d'ailleurs au Maroc également, mais le Maroc avait des ressources beaucoup moindres que l'Algérie. Mais aujourd'hui, cette possibilité d'achat de la paix sociale ne passera plus. Parce que non seulement les revenus ne le permettent pas, comme je l'ai dit, il y avait un fonds de 193 milliards d'euros en 2014. Aujourd'hui, on en est à 53. Normalement, ça devrait permettre à l'État d'assurer au moins 3 ans d'importation. Aujourd'hui, on en est au moins à 1 an et demi. Est-ce que ça va durer? Ben non. Dans la politique actuelle de la fluctuation des prix des matières premières, du pétrole principalement, on en est très loin. Donc, oui, peut-être les gouvernements pourraient s'aventurer dans cette optique d'achat de la paix sociale ou bien de subvention des produits de première nécessité ou même de crédit aux jeunes, mais c'est une solution provisoire. On ne peut pas le faire sur le long terme. Ça va finir par créer une fracture et, comme l'a souligné Mathieu, une fois les robinets sont fermés, il n'y a plus de pétrole. D'où on va chercher l'argent. Or qu'il y a quelques gouvernements, je fais toujours référence au gouvernement algérien parce qu'il donne à chaque fois des exemples impressionnants en la matière. Lorsqu'on a atteint le pic en 2007, donc depuis le début des années 2000, on a déjà annoncé le pic pétrolier. En 2007, ça a été confirmé. Et là, tout de suite, on commençait à chercher des alternatives. Pas des alternatives en termes des énergies renouvelables, mais en termes des énergies non conventionnelles. Donc le gaz et le pétrole de schiste. Effectivement, il y avait d'importantes réserves qui s'élevaient à quelques 263 milliards de tonnes en termes de gaz naturel qui place l'Algérie à la 3e place mondiale derrière les États-Unis et la Chine, ce qui est énorme. Cette capacité de production nouvelle, elle réconforte le gouvernement en place. Il se dit finalement la rente, elle ne va pas s'arrêter, donc on pourra continuer à gouverner et à profiter de cette rente. Donc il y a cette stratégie de profiter. Ils ne la mettent pas en œuvre. Enfin, ils sont incapables pour l'instant de la mettre en œuvre. Pour le moment, parce qu'il y a le gaz, ils n'ont pas tout de suite besoin, mais pour le pétrole, ils n'y arrivent pas. Voilà, problème de savoir-faire déjà. Donc, il faut faire appel aux capacités étrangères, donc savoir-faire étranger pour le faire. Et il y a une certaine opposition qui s'installe d'ailleurs à l'intérieur du pays même. Et il y a aussi autre chose que j'ai oublié de souligner au début de mon intervention. Il y a cette fracture entre le nord et le sud. On considère que toutes les richesses sont basées donc dans le sud et les populations du sud ne profitent pas de ces richesses parce que tout est exporté à partir du nord et toute la rente pétrolière est concentrée dans le nord. Si vous regardez les grandes villes, elles sont beaucoup plus développées que dans les régions où se trouvent les matières premières. Donc les populations locales de ces régions et se révoltent et se disent alors le pétrole, donc les matières premières se trouvent dans notre région et c'est le nord qui profite. Et en plus cette fois elles craignent qu'on touche à l'eau. Tout à fait. En plus. Voilà. Donc ça crée des tensions. La fracturation qui a besoin de beaucoup d'eau pour... Tout à fait. Ça va engendrer d'autres problèmes dans l'avenir, donc la pollution et aussi la problématique de l'eau qui devient de plus en plus une ressource très rare, surtout au Moyen-Orient où il y a les problèmes climatiques, la sécheresse. Et donc ça engendre d'autres problèmes qui devraient dans tous les cas faire... pousser les gouvernements à repenser non seulement les modèles économiques existants, mais également les alternatives et la possibilité de sortie de pétrole, donc décarbonisé, mais également d'assurer leur indépendance par rapport à la rente pétrolière. Ça reste une problématique majeure et les gouvernements sont conscients de cette problématique, mais le fait de vouloir profiter éternellement, je ne pense pas parce qu'ils mourront un jour, mais profiter tant qu'ils sont là de la rente pétrolière. Et c'est ce qui renforce. On a vu d'ailleurs ce phénomène en Libye, après l'assassinat de Kadhafi en 2011, les fractions qui disputent les ressources pétrolières en Libye, c'est juste impressionnant. On a des groupes... je ne dirais pas terroristes, parce que là, encore en Syrie, en Irak, il y a des groupes terroristes qui ont mis la main sur les complexes pétroliers et qui arrivent eux-mêmes à vendre le pétrole et de profiter des revenus tirés de ces exportations. Mais il y a des groupes, des milices qui se forment. Ils profitent donc de l'anarchie qui s'est installée dans le pays pour pouvoir profiter de la ressource, donc des hydrocarbures en quelque sorte. Donc assurer une certaine notoriété, une force, un pouvoir, donc créer l'État dans l'État. Et aujourd'hui en Libye, on voit clairement les différents groupes, même les deux gouvernements donc, du maréchal Haftar et Sarraj, qui sont deux gouvernements parallèles hein, qui gouvernent le pays. La première force qui les pousse à poursuivre leur combat, donc pour mettre la main sur tout le pays, c'est le pétrole. Donc ils ont cette conscience que la main pétrolière, c'est important, et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir tout simplement avoir ce qu'ils veulent, donc gouverner le pays ou mettre la main sur tout le reste. On peut rappeler d'un mot que l'État islamique aussi a prospéré grâce, ouais, ça, grâce aux ressources pétrolières de Syrie et d'Irak. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois une au fond et une devant. On va commencer par devant. Bonsoir, je voudrais poser la question que quel pays dans le marché nucléaire dans cette région-là? Pourquoi je pose la question? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y a des photovoltaïques Arabie saoudite, mais c'est après Fukushima, au Japon, il y a courant majoritaire, encore lobby nucléaire, et plus c'est l'ambition de l'arme nucléaire, de courant, qui est majoritaire. Il veut encore continuer, et une des raisons, c'est pour exporter centre nucléaire dans cette région, dans le monde. Et l'autre, c'est petit courant anti-nucléaire. Ça existe dans le patronat, et c'est le courant qui a travaillé à Arabie saoudite, c'est M. Sensei SoftBank, c'est quand financier, Dieu là. Et après Fukushima, le Japon a continué à exporter le projet à Jordanie et à d'autres pays de Golfe et de l'Arabie saoudite, et plus c'est en Turquie, c'est après la Russie, le côté de Méditerranée, mais mer Noire, c'était Mitsubishi et Areva. Mais quand même, maintenant, c'est difficulté. Récemment, Mitsubishi a abandonné ce projet parce que, vous avez dit, Westinghouse a acheté Toshiba, cette grande entreprise comme Mitsubishi Hitachi, et maintenant, c'est grande difficulté à cause de section nucléaire. Et Hitachi est exactement la même chose. C'était toutes les grandes entreprises au moment des années 60, 70, 80, ces grands florissants de grandes entreprises sont l'un après l'autre, c'est fini. Et finalement, récemment, l'affaire de Turquie, c'est vraiment significatif parce qu'Areva aussi, c'était Mitsubishi et Areva, mais Areva aussi, il a des difficultés. Mitsubishi a des difficultés. Et c'est pour ça que je voudrais savoir actuellement cette région-là. Quel pays, par exemple, la Russie ou les autres, Corée du Sud, ou les autres pays qui entrent bien ou non, je voudrais savoir. Alors, on va répondre à la deuxième question. Oui, bien sûr. La Turquie, les projets étaient déjà pas très bien pas très bien engagés. Effectivement, il y avait Areva, il y avait plusieurs industriels japonais, mais en fait, Rosatom, les Russes, tout le monde voulait se proposer, mais ça fait longtemps qu'ils sont à l'état simplement de projet, vendre des centrales nucléaires à la Turquie. Le problème, c'est que la Turquie est en crise économique très grave aujourd'hui. Donc déjà, ces projets étaient mal engagés avant la crise monétaire turque. Et là, pour l'instant, à ma connaissance, ça ne bouge pas tellement de ce côté-là. Les deux industries nationales qui marquent des points pour le nucléaire dans le monde arabo-musulman, c'est assez vite vu. Il y a les Russes avec l'Iran, puisque ils ont construit la centrale civile iranienne d'un gigawatt qui tourne avec difficulté, mais qui tourne aujourd'hui. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus récemment, la centrale qui vient d'être branchée au réseau l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans, aux Émirats, sont des Coréens. Voilà. Les Français ont essayé d'avancer. Bon, l'état de l'industrie nucléaire française est ce qu'il est. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de velléité de la part des Français d'aller investir davantage. Pas de capacité, même, je dirais. Et Westinghouse... Enfin, il faut dire que tout le secteur a pris un sérieux coup de bambou suite à Fukushima. Donc, néanmoins, c'est assez frappant de voir que les pays du Golfe les plus riches et les plus puissants sont très intéressés par l'industrie, par le nucléaire, pour une raison qui est très simple, c'est que le nucléaire demande... c'est une industrie qui permet de produire de l'électricité tout le temps, à peu près. Et on ne sait pas trop jusqu'à quel point on peut développer massivement le photovoltaïque dans des pays très chauds et où il y a beaucoup de sable. Donc ça, c'est une incertitude technique qui est réelle. Le solaire à concentration offrirait des perspectives sans doute meilleures, mais pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. La principale usine solaire à concentration, je crois qu'elle est à sous-concentration. Oui, c'est une usine solaire à concentration. Vous allez voir, c'est assez ironique. J'aurais pu citer cet exemple. Elle est à Oman, au sultanat d'Oman, et il se trouve qu'elle sert pour beaucoup à faire de la récupération, à envoyer de l'énergie pour récupérer davantage d'hydrocarbures. C'est pas une blague. C'est l'une des plus grosses usines, l'une des plus grosses fermes solaires au monde, sert à améliorer la récupération de puits d'hydrocarbures qui sont en déplétion en plus, qui sont en déclin, à Oman. Il y a aussi cette problématique de concurrence qui se pose à peu près, surtout au niveau du Golfe. Donc si les Émirats arabes unis ont réussi à franchir un certain cap, il faut que l'Arabie saoudite également en fasse autant. On a pu le voir lors de la construction des tours. La concurrence, il faut que je fasse la plus grande tour du monde. De l'autre côté, si le voisin a fait une telle chose, il faut que je la fasse. Donc il y a cette concurrence. Et il y a un manque de savoir-faire cruel donc, au niveau de ces États. Donc ils sont obligés de faire appel aux firmes. Voilà. C'est un euphémisme. Et puis je ne sais pas si quelqu'un partage cette analyse, mais moi il me semble, et d'ailleurs j'ai vu pas mal d'éditos, il y a beaucoup de papiers en ce moment dans la presse américaine qui considèrent, qui me semble assez évident, c'est que un développement d'une centrale... bon, les Émirats, ça passe pour les Iraniens, je pense, d'autant qu'ils ont des relations qui sont beaucoup plus subtiles que ce qu'on... Voilà. Mais j'imagine que le régime en place, que si la famille Saoud se payait une centrale nucléaire, ça serait un peu compliqué à faire passer l'idée auprès des Iraniens, je pense. Je pense que ça serait un casus belli. Tout à fait. Je pense. Il y avait une question, je crois, au fond. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus justement sur le rapport en fait entre le marché du pétrole et le marché gazier, et notamment par rapport à la découverte de nouveaux champs gaziers en Méditerranée, notamment Zohr et Léviathan en Égypte et en Israël. Je pense que vous pouvez répondre. Vous voulez que je réponde ? Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Beaucoup de choses. C'est compliqué. Qui a dit c'est compliqué? C'est compliqué. Ce sont des ressources gazières qui sont importantes sans être non plus des champs, enfin des découvertes extraordinaires. Ce sont des découvertes importantes, mais c'est pas une nouvelle mer du Nord. Après, de ce que j'en comprends, donc l'essentiel est partagé, l'essentiel des ressources potentielles en place qui sont pour l'instant loin d'être pleinement exploitées, sont partagées par le Liban et Israël, sachant qu'il y en a un petit coin dont bénéficierait Gaza, mais on se doute bien que ça va être là effectivement compliqué. Oui, ça se joue beaucoup en offshore. Et, ah oui, c'est bien sûr, tout ça est offshore. Chypre, à un moment donné, a essayé de dire que ses eaux territoriales, mais on lui a dit d'aller jouer un peu plus loin. Oui. Il semble très clair qu'Israël a une intention ferme et non discutable de défendre ses intérêts, oui, puisque Mère Nature a jugé bon de leur conférer l'essentiel des ressources qui ont été potentiellement découvertes. Tout ça, il faut comprendre que dans le cas des hydrocarbures, tant qu'on ne fore pas, tant qu'on n'a pas mis en exploitation, on n'a pas, en particulier pour de l'offshore, on n'a pas de certitude. Mais apparemment, le gros des réserves se situe dans les eaux territoriales israéliennes. Après, il y a des États qui sont dotés d'importantes ressources en hydrocarbures, donc le pétrole, et d'autres en gaz. Je peux même faire, par exemple, l'Arabie saoudite a d'importantes ressources en pétrole, le Qatar, c'est le gaz. Donc, il y a une différence entre les deux, une capacité également d'un pays à l'autre, capacité de production et capacité d'exportation. Parce que je peux rajouter sur ces ressources, pardon. Oui, allez-y. Non, sur ces ressources en Méditerranée, il y a un dernier point peut-être à préciser, c'est que l'un des facteurs qui a mis sous tension l'économie égyptienne ces dernières années, c'est que leurs ressources en gaz s'est tarie. Je parlais de la Syrie, j'ai cité en passant l'Égypte, mais l'Égypte a été exportateur net vers la Jordanie et Israël de gaz. Ils sont importateurs net aujourd'hui. Et malheureusement, les ressources offshore qui ont été découvertes, apparemment, ce qui est disséminé dans les eaux territoriales égyptiennes ne permettrait pas, d'après ce que je comprends, de renverser la tendance. Donc c'est l'Égypte qui a découvert les plus grosses réserves de gaz dans l'offshore. Hein. Justement, non, je ne crois pas. Je crois que c'est Israël qui a le plus gros. C'est l'Égypte, c'est 2 fois plus. Sur le champ de la... En fait, si vous voulez parler, il n'y a pas de problème, mais il faut nous demander et prendre un micro. Parce que non, non, mais pas de problème. Que je peux faire... Là, sur les découvertes récentes, non, mais je vous trompe peut-être, ouais. Attendez juste le micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans le champ de la Méditerranée orientale, vous avez la Syrie, vous avez la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, l'Égypte, à peu près, et Chypre. En Turquie, il n'y a rien, jusqu'à maintenant. Chypre, on a découvert un champ qui n'est pas énorme, qui s'appelle, ça va oublier le nom. Au Liban, nous sommes en train d'explorer, donc ils n'ont rien découvert jusqu'à maintenant. En Israël, vous avez 2-3 champs d'offshore. Ils ont découvert pas mal de gaz, à peu près ce qu'on appelle une vingtaine de TCF, trillion cubic minutes. Et c'est en Égypte qu'il a découvert le plus. Moi, j'ai pas compris ça. Hein. Ils ont découvert en fait le champ de Jabour, qui était découvert par les Italiens. Et c'était 2 fois plus que les réserves de gaz qui étaient découvertes dans le offshore israélien. Alors, l'export. C'est parce que j'ai lu, mais. L'exportation de gaz. En fait, le champ de Zohr est en train d'être mis en exploitation, si vous voulez. Donc, l'Égypte importe de gaz israélien pour faire fonctionner leurs usines de LNG. Hein, qu'ils ont construit dans le passé, mais ils n'avaient pas assez de gaz pour le faire fonctionner. Mais c'est quelque chose de temporaire. Mais vous avez, sur le plan géopolitique, ce qui est très important, vous avez la Russie absolument partout. Absolument partout. Ils ont pris de participation partout, à travers leurs sociétés comme Rosneft, ou bien d'autres sociétés, ou bien Gazprom. Ils ont fait pour empêcher ces pays-là d'exporter de gaz vers l'Europe dans l'avenir. Voilà. Merci, on va voir si peut-être il y a d'autres... Peut-être, je n'avais pas les mêmes chiffres que vous en tête là, sur le gaz, les découvertes récentes offshore en Égypte, mais je vais regarder. Sur le champ déjà. On va laisser répondre Nassima donc, sur la question. Juste pour rebondir en termes de réserve, aujourd'hui, toutes les institutions qui activent dans le domaine affirment que les réserves qui sont déjà donc tirés du sol, donc sont exploités, on peut donner un chiffre. Mais pour les réserves qui sont encore dans le sous-sol, ils sont dans l'impossibilité, donc incapables de donner un chiffre de combien la terre en contient ou même les roches poreuses. Donc, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de pétrole et de gaz, oui. ce qui est très bien. Le sujet, c'est aussi la transition. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait imaginer que certaines de ces ressources restent là où elles sont, comme on l'a vu dans d'autres régions du monde où la communauté internationale s'est mobilisée pour financer la non-extraction de certaines ressources? Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Il y a eu le cas d'Équateur, où le gouvernement là-bas a demandé aux pays occidentaux de payer pour financer l'absence de revenus, pour compenser l'absence de revenus de la prospection d'une réserve naturelle, le parc de... j'ai oublié son nom, mais ça a fait long feu, c'est-à-dire que personne n'a jamais voulu payer des sommes suffisantes pour compenser une non-exploitation de ressources pétrolières. Il y a aussi cette problématique de mix énergétique qui se met de plus en plus en place. Donc on n'arrive pas totalement à être indépendant vis-à-vis d'une ressource, mais on essaie de mélanger, donc de faire un peu un mix entre plusieurs énergies afin de ne pas épuiser... donc l'énergie la plus importante qu'on utilise. Je peux même citer le cas de l'Allemagne, qui a d'ailleurs décidé de renoncer au nucléaire il n'y a pas très longtemps. Et, mais malheureusement, elle est revenue au charbon. Oui, on n'est jamais parti. Voilà, à une certaine époque, c'était l'énergie donc la plus répandue du monde. Mais petit à petit, l'ère du charbon est terminée. On a commencé avec les énergies fossiles. Donc le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, l'Allemagne a décidé donc d'arrêter, en quelque sorte, de diminuer ses importations donc en énergies fossiles, d'arrêter le nucléaire, mais le retour au charbon. Donc on voit qu'il y a certaines énergies d'autrefois qui reviennent sur le devant de la scène, et c'est assez problématique. Ça pousse à réfléchir. Aujourd'hui, se passer complètement d'une énergie, c'est très difficile, hein, parce qu'on n'arrive pas, peut-être dans 30-40 ans ça serait peut-être possible, hein, avec les différentes recherches qui sont menées dans le domaine, parce qu'on veut coûte que coûte se passer de ces énergies fossiles qui portent d'importants problèmes environnementaux, hein, donc, mais se passer d'une énergie au profit d'une autre, ça reste vraiment problématique. Donc on essaie de constituer des mix pour essayer un petit peu d'équilibrer en fonction des besoins et des capacités également. Ce n'est pas tous les États qui peuvent faire recours uniquement à l'électricité et le pétrole, donc ça reste jusqu'à aujourd'hui la ressource la moins chère. Donc les cours sont en constante baisse depuis 2014. Ça pousse les pays importateurs à acheter encore plus. On n'a pas parlé jusqu'à présent d'éolien, des perspectives de cette énergie-là dans les pays du sud de la Méditerranée. Est-ce que, Mathieu, vous avez quelques... Non, il ne se passe pas grand-chose, à ma connaissance. Non, la Jordanie a un petit peu... C'est-à-dire que vous avez besoin de régimes de vent stables, généreux et stables. Et si possible, pas trop fort non plus. Donc, une tempête, c'est pas ce que vous recherchez. Ou les alizés, par exemple, ou le Mistral, c'est bien, mais... donc je crois que, il me semble pas, je pense que le Golfe n'est pas une région particulièrement vantée. Peut-être la mer Rouge, ce serait intéressant. La Jordanie, oui. Mais c'est sans doute, voilà, Jordanie, ou plutôt du côté du Yémen, qui aurait vers la sortie de la mer Rouge, qui aurait des vents très intéressants, mais je pense pas que ça soit une région voilà, où on a envie d'investir quand on est... voilà. Donc à ma connaissance, enfin je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Peut-être au Liban, peut-être au Offshore, au Liban, mais... Dans cette zone-là, il n'y a pas sur les ondes de vent. Dans cette zone-là, dans le sud, l'Algérie, l'Afrique du Nord, entièrement, il n'y a pas suffisamment de vent. Le vent, en fait, vous avez des bandes sur le globe, qui sont par exemple... le Danemark, l'Allemagne, la mer de Nord, tout ça. Ça, c'est une bande. Et c'est là on trouve... Et puis c'est très capitalistique. En fait, le développement des éoliennes les plus importants. Voilà. Est-ce que... Est-ce qu'on a encore une dernière question pour conclure de, votre part? Oui. Oui, bonsoir. Je voulais juste revenir sur l'Algérie par rapport à ce que vous avez évoqué, des pays qui ont atteint leur pic d'exploitation, pardon, ouais, de production. Si on fait un peu de prospective, qu'est-ce qui peut être envisagé? Parce que vous avez aussi évoqué la mauvaise gouvernance et j'aurais voulu avoir votre sentiment. Si vous pouvez faire un peu de prospective, même si je sais que c'est pas simple. Oui. Merci. Ouais, c'est pas simple dans le sens où lorsqu'on a annoncé le pic pétrolier pour l'Algérie, on s'est pas vraiment affolé parce qu'on sait que le désert algérien est riche en ressources naturelles. Donc on a découvert par la suite le gaz de schiste. Donc on a fait attention, d'ailleurs Bouteflika au début des années 2000, il a clairement parlé de l'après-pétrole. Il a dit que maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Donc on arrête d'être dépendant de la rente pétrolière, qu'on diversifie notre économie et qu'on pense à l'avenir de nos enfants. C'était malheureusement des pures déclarations, parce qu'une fois les annonces sur l'existence du gaz, du pétrole de schiste ont surgi sur la scène, bah, tout de suite la classe politique s'est affolée. Finalement, on ne sera pas dans l'obligation d'endetter, de chercher d'autres alternatives. On a encore de la rente pétrolière pour de très longues années. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs le ministre de l'énergie à l'époque. Je ne me souviens plus de son nom, mais en 2011-2012, il a parlé de cet espoir pour les années à venir d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Quant à la mauvaise gouvernance, vous voyez, moi dans mon livre, lorsque j'ai mené mes recherches, j'ai fait un peu les comparaisons avec les pays qui sont dotés de ressources naturelles, qui avaient à la base une rente pétrolière importante, mais qui ont réussi à utiliser cette rente dans le développement de leur pays. Le cas de la Norvège, le Canada. Donc c'est des États qui pensent effectivement à l'avenir de leurs enfants et de la population et aussi de la ressource qu'ils détiennent. Ils ne souhaitent pas l'épuiser, au moins que ça dure quelques années. Donc ils ont trouvé un équilibre, donc l'utilisation de cette ressource, de cette manne qui est importante dans le développement des infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, donc tous les secteurs de l'économie et de l'État en quelque sorte ont été développés, alors que dans les États arabes, cette gouvernance se traduit justement par les décisions politiques qui devraient être prises non seulement en économie et en politique. Parce que si on regarde toutes les décisions économiques aujourd'hui qui sont prises, ce sont les acteurs de la politique qui l'ont prise. C'est les hommes politiques qui décident de l'économie. Est-ce qu'elle doit être une économie libérale, une économie socialiste, une économie fermée? Donc, à mon sens, la problématique principale réside dans l'élite au pouvoir. C'est elle qui devrait prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, si on regarde toutes les déclarations qui se font à l'arraché sans fondement ni juridique ni politique proprement parlé, ben on se dit finalement cette élite, elle vient en déconnexion totale entre elle et la société. Donc on voit vraiment cette fracture, elle vit dans un autre monde en quelque sorte, elle prend pas, voilà. Donc elle ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Et moi j'ai suivi dans mon analyse, dans ma conclusion générale de mon ouvrage, ce qu'il a dit l'économiste algérien Mabtoul, enfin je ne me souviens plus du prénom mais le nom c'est Mabtoul, il a dit qu'il faut la refonte de tout le système existant. Effectivement, voilà, donc il faut... Il faut dire que le régime en place n'a jamais réussi à... Ça fait depuis bien avant le pic pétrolier qui parle de diversification. C'est la classe politique qui capte principalement la manne, un. Et deux, il y a quand même eu... Alors évidemment, je pense qu'il y a ça dans votre question. On a l'exemple vénézuélien qui peut venir à l'esprit. Là encore, je l'ai cité en passant, le déclin de la manne dû à la déclin de la production précède l'effondrement du régime, précède. Et je parlais du régime actuellement en place en Algérie, enfin actuellement, très longtemps en place en Algérie, qui a intérêt direct à perpétuer l'absence de transparence. Il y a eu quand même un moment, juste avant la guerre civile, le gouvernement Amrouche, Ould Amrouche, qui a voulu imposer une certaine transparence sur les contrats pétroliers, qui aurait pu être une première étape, malheureusement ils n'ont pas eu le temps d'aller très très loin, qui aurait pu être une première étape, déjà comprendre qui profite au crime, quelque part. De ce que j'ai compris, en tout cas de travaux, de, non pas d'éminents universitaires, mais d'anciens collègues journalistes, la France n'a pas vraiment du tout aidé là-dessus. Ouais. C'était 10 ans avant l'affaire Elf. Hein, D'ailleurs, au début des années 70, en 74-75, lorsque Boumediene avait pris le pouvoir en Algérie, c'était un coup d'État qu'il avait monté contre son prédécesseur, et pour justement asseoir sa légitimité en quelque sorte, et de faire donc convaincre la population du pouvoir. Et là, en quelque sorte, sortit la carte de la rente pétrolière. La nationalisation s'est faite en 71, la même pétrolière donc, a commencé à rentrer dans les caisses de l'État à partir de cette période, ce qui a déjà donné des idées au gouvernement en place. Donc on essaye un peu de redistribuer la rente, on dit à la population qu'on va récupérer nos ressources et on va être indépendant, et en même temps, donc d'une manière assez intelligente, je crois à l'époque, on commençait déjà à s'accaparer de la rente pétrolière. Et n'oublions pas, jusqu'aujourd'hui, les personnes qui sont au pouvoir, que ce soit en Libye, en Algérie, ou même dans la plupart des États arabes, ils sont là depuis 20-30 ans. C'est le même système qui perdure depuis de trop longues années. Alors, la question à poser, où il est le changement dans ce cas-là? Quand on a les mêmes têtes, les mêmes idées qui reviennent à chaque fois, bah comment voulez-vous que les choses bougent, changent, ou que se développent tout simplement? Bon, je crois que c'était le mot de la fin, les vieilles recettes. On va reparler de la transition énergétique.